Ah, c'est mon premier livre, en fait. Voilà, il s'appelle « Mon numéro dans le désordre », qui fait allusion au désordre ambiant d'aujourd'hui, mais surtout de 2001, au moment de l'action donc, qui se passe à New York avec le narrateur, donc Arthur Gannat et sa maman, qui partent en voyage, en vacances, en fait, tout simplement, des vacances... j'ai envie de dire normal à New York. Enfin, finalement, rien ne se passe comme prévu puisque la mère de l'auteur est en dépression et que du coup, elle trouve que New York est un nouveau terrain de jeu où on peut tout de suite faire des choses en plus grand, c'est-à-dire des mauvaises choses en plus grand. Tout devient plus spectaculaire et comme elle avait tendance à mettre en scène sa dépression, tout d'un coup, elle trouvait une ville à sa démesure. Moi, je l'amenais pour qu'elle retrouve sa deuxième chance, puisque les États-Unis, pour moi, c'était naïvement le pays de la deuxième chance et du rebond, etc., de l'énergie vitale new-yorkaise, etc. C'est cette électricité comme ça, américaine. Et c'est tout l'inverse qui se passe dans les premiers jours du voyage, qui se passe le 8, 9, 10 septembre donc 2001. Et donc j'ai droit à une espèce de feu d'artifice de pompiers, hôpitaux, fugues, chutes, etc., errance. Donc en fait, voilà, donc les vacances qui s'annonçaient comme des vacances normales que je payais à ma mère, enfin que le Arthur Gannat payait à sa mère, je viens de faire un lapsus, parce qu'il y a une part de fiction évidemment, et donc du coup, comme disait Guy Debord, dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux, et donc le faux est un moment du vrai, donc il y a du vrai et du faux dans tout. Donc le voyage devient vite chaotique, donc à les 3 ou 4 jours qui précèdent l'événement chaotique par excellence qui est le 11 septembre. Qui se déroule à quelques blocs, à quelques rues de l'action, de là où Arthur vit avec sa mama, puisque c'est une mère yiddish, 68arde de province yiddish, ashkénaze, d'Afrique du Nord, enfin bon bref, donc c'est un personnage un peu à la Pénac, un peu à la Fécarabine, petite marchande de prose, un peu dans cette ambiance-là. C'est-à-dire pittoresque, sympathique, et en même temps, on voit bien que le tragique affleure à tout moment. Et tout d'un coup, le tragique, il se passe, je dirais, grandeur nature, au niveau des tours jumelles qu'on devait aller visiter le mardi matin, donc 11 septembre 2001. La mère de l'auteur avait retrouvé un peu de calme, un peu de voilà ce que j'appelle une paix chimique, c'est-à-dire que tout d'un coup elle a vu un psy, donc elle avait retrouvé des médicaments, donc finalement mes vacances redevenaient enfin normales, et c'est au moment où ce calme trompeur, commence à régner, que tout s'écroule, mais alors là pour de bon, et pas que ma mère, pas que moi, mais évidemment le monde entier qui bascule dans une période qui seront les années 2000 plus tard. En fait, c'est l'histoire d'un jeune Bordelais exilé à Paris. Paris sépare ses parents, puisqu'il finalement ses parents divorcent à Paris. Donc pour lui, Paris, c'est comme l'Allemagne des années 30. Il dit d'ailleurs que ses parents se sont vendus aux Boches en allant habiter à la capitale. Ce jeune Bordelais exilé à Paris, décadré à New York, finalement, doit se retrouver dans ces débris du monde qu'il croyait immuable, qui était le monde des années 90, qui était le monde de l'après-guerre froide, où les Américains, le libéralisme semblaient triompher sans peine. Finalement, faute d'adversaire, on a tous arrêté de boxer parce qu'il n'y avait plus personne en face, donc il n'y avait plus de bloc soviétique, donc tout d'un coup, cette espèce d'hédonisme, en plus, il y a plein de choses pour ma génération, il y avait les trithérapies qui sont arrivées, donc tout d'un coup, il y a eu une espèce de baisse de vigilance, et on a commencé à avoir des rapports, je dirais, un peu moins protégés, il y a eu Internet qui est arrivé, qui a créé des emplois, il y a la French Touch en musique, qui a montré qu'on pouvait s'exporter avec R, avec Daft Punk, avec Cassius, etc. Donc il y avait tout ce climat, il y avait la Coupe du Monde qu'on a gagnée en 98, ce que j'appelle les trois glorieuses, de 98 à 2001, pour ma génération, ça a été essentiel, parce que tout d'un coup, l'argent rentrait, des startups poussées comme des champignons.
Finalement, tout ça, ben, voilà, tout ça d'un coup de cutter avec une équipe de djihadistes, je dirais très déterminés, qui a quand même programmé sa mort plusieurs années à l'avance, etc., etc. Enfin, avec une espèce de force d'esprit complètement déboussolante pour les gens qui finalement qui vivent dans les sociétés modernes. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est le monde de l'après 11 septembre. Clairement, j'ai moi-même été une victime du 11 septembre. Mais vraiment très 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 légère, mais tout d'un coup le vent s'est retourné, ça je le raconte dans le livre. Tout ça s'est joué à ce moment-là, ça a été le creuset finalement, je dirais, d'une révolution conservatrice dont on a tous payé finalement le prix à un certain niveau, et sans oublier évidemment ce qui s'est passé en France, mais ça va être la suite du roman. Ça va être les années donc 2002-2003 avec des répliques, c'est-à-dire l'usine AZF à Toulouse qui saute un mois après, le 21 avril 2002, jusqu'au coup de boule de Zidane. Enfin, donc la suite, évidemment, ça va être voilà, les conséquences culturelles, artistiques. Et il y avait un besoin très fort de retrouver des racines, c'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui d'identité nationale, etc. C'est quelque chose que moi j'ai ressenti sur place à New York le 12-13 septembre, c'est-à-dire que tout d'un coup on s'est dit bon ok, n'importe qui peut mourir maintenant, c'est fini, il n'y a pas qu'en Israël qu'on se prend des bombes sur les terrasses de pizzeria à Tel Aviv ou dans des bus, etc. L'intifada est au niveau mondial, tout le monde peut y passer n'importe quelle heure, n'importe quel jour. On entendait parler d'anthrax avec des enveloppes, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment un climat délétère et pas possible. Oui. Avec cette espèce d'affront incroyable d'une douzaine, une quinzaine de mecs avec des cutters qui montent dans un avion et qui explosent, c'est quand même le symbole de la puissance, de la finance. Le fait d'avoir percuté les deux tours, parce qu'il n'y en aurait qu'une qui serait tombée à la rimière, ça aurait été une humiliation, mais ça aurait été peut-être encore pire, ça aurait été une balafre. Alors que là, avoir les deux, c'est vraiment... On met les États-Unis à poil, littéralement. Mon sujet, c'est de raconter ce que un jeune garçon de 28 ans, un provincial devenu branché parisien, en vacances avec sa maman dépressive. J'emprunte juste à Céline ce nom de personnage d'Arthur Gannat, qui est le nom de mon personnage, donc qui joue mon rôle dans mon livre. Ça m'aide beaucoup parce que ça m'a permis ça m'aide beaucoup d'avoir ce personnage d'abord parce qu'il a un nom sympathique, Arthur Gannat. Je trouve que c'est un joli nom. Et je me suis servi de lui comme d'un passe-partout pour pouvoir de temps en temps fictionner sur des histoires, on va dire, de filles, parce que ça parle aussi de ça, ça parle aussi évidemment d'une quête de réussite sentimentale, sexuelle, affective. Évidemment, là, c'est un garçon, donc il cherche non pas le garçon comme Taxi Girl, parce que c'est lui-même un garçon, mais il cherche l'amour et la complication. Et ça me passionne, malheureusement j'ai pas le temps, il faut que je rentre, et surtout que je retrouve ma bordelaise, c'est la vérité, c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai pris contact chez Mola, puisqu'elle est allée chercher le livre chez Mola la semaine dernière, et je lui ai dit mais c'est incroyable Emmanuel, tu fais partie du livre, tu te rends même pas compte, tu me dis ça, tu me dis que t'es allé trouver le livre chez Mola, c'est fantastique, et en plus, t'as quasiment le rôle principal, alors je lui ai pas dit la fin, mais, évidemment. Mais quasiment le rôle principal. Ça, c'est une variation autour du baigneur de Paul Cézanne, qui est la première peinture à l'entrée du MoMA, donc la collection permanente du MoMA, comporte donc une œuvre de Paul Cézanne qui s'appelle Le baigneur, de 1885. Et donc ça, c'est une illustration en hommage à cette œuvre qui m'a mis, j'ai envie de dire, sur le droit chemin, qui m'a conforté dans ma vocation d'artiste, puisque je suis aussi chanteur-musicien, et qui m'a dit, écoute, Guillaume, là je parle pas d'Arthur, je parle vraiment de moi comme auteur, Guillaume, t'es sur un chemin. Voilà. T'as vécu l'enfer avec le personnage de ta mère. Je mélange tout, les personnages. Pendant 3 jours, tu t'en sors avec le 11 septembre et donc du coup avec un basculement de civilisation. Maintenant, tu te redécouvres face à ton frère de 1885 qui est le baigneur de Cézanne. Je balaye les années 80 du top 50, les miennes, de ma génération, par les années 80 du 19e siècle, qui sont les années 80 des écrivains, les vrais. Ceux qu'on aime tous, qui ont fait la grandeur de la littérature dans ce pays.